74 et 5. 75 jours, 74 jours de défi, une vidéo par jour et puis 5 jours d'arrêt. Mon wifi m'a lâché, le wifi est revenu et puis j'ai eu du mal à me remettre dans le bain. Donc voilà, mais me voilà de retour. On repart pour un tour. On va voir combien de temps ça va durer. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je voulais vous parler du fait de ne pas se concentrer sur le négatif. Je pensais simplement, si on veut du bon, il faut qu'on crée du bon finalement. Si on veut des choses qui nous font du bien, il faut qu'on crée les choses qui nous font du bien. Accorder de l'importance aux choses qui nous font du bien. Ne pas toujours tourner notre regard vers l'ombre, mais tourner notre regard vers la lumière, vers les gens lumineux, vers les choses lumineuses de notre vie. Je pense à cette fameuse liste des 100 gratitudes qui, quand on le fait, fait énormément de bien. Je pense aussi au fait de se comparer, mais ne pas se comparer à celui qui est au-dessus, mais de se comparer à celui qui est en dessous et de prendre conscience de tout ce qu'on possède. Souvent, quand je prends de l'eau au robinet, je me dis, ah, parce qu'on a encore parlé des dangers de l'eau du robinet par chez nous, du fait qu'il y a des hormones, des femmes qui prennent la pilule et qui ensuite urinent, et ensuite cette eau des toilettes, elle va être filtrée, mais on va y retrouver des traces de ces hormones. Plus des produits chimiques divers, mais malgré tout, l'eau, elle est nettoyée, elle est filtrée, elle est potable, et on va quand même se plaindre de cette eau. Donc on passe notre temps à se plaindre des choses, mais on devrait se réjouir en fait de les avoir, parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas le quart de ce que l'on a. Donc regarder vers la lumière, c'est aussi ça, prendre conscience de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on est, de tout, peut-être, j'espère, pour vous, l'amour qui vous entoure, toutes les chances que vous avez eues, toutes les opportunités que vous avez eues. Enfin, voilà, de se dire que on n'est pas les plus malheureux. Et voilà, regardez du côté de la lumière en fait, regardez du côté de la lumière et puis créez du bon autour de nous, ne serait-ce que en souriant, en riant, en partageant un regard bienveillant. J'ai vu ces derniers jours quelqu'un qui a regardé une personne que je connais et que j'aime. Ce quelqu'un l'a regardé avec un regard, mais d'une. Enfin. Un regard malveillant, enfin dénigrant. Et je trouvais ça, mais elle la connaît pas, elles se connaissent pas, mais ce regard sur, je sais pas, les vêtements, qu'est-ce qui allait, qui n'allait pas, qui ne lui plaisait pas, la tenue de la tenue de ma connaissance. Je sais pas pourquoi ce regard. Pourquoi ce regard dénigrant? Enfin, voilà, on peut regarder les gens avec bienveillance, avec gentillesse, on peut être. Enfin, si on donne de la lumière, on va recevoir de la lumière, en fait. Et ça, c'est un truc que les gens ont du mal à concevoir. Parce qu'on est toujours dans je donne, mais je veux recevoir quelque chose en échange. Mais en fait, plus tu donnes et plus tu reçois du bon. Je suis persuadée de ça. Plus on donne de la lumière au monde, plus on est. Souriant, plus on est bienveillant, mais on ne le fait pas parce qu'on attend quelque chose en retour,
et ben plus on reçoit. Moi, je suis persuadée de ça et je le constate dans ma vie. Ah, je sais qu'il y a cette expression qui dit trop bon, trop con, mais en fait, ça, on va le penser parce que justement, on donne en espérant recevoir. Mais si tu donnes sans attendre en retour, si tu dis, tu donnes un sourire parce que tu as envie de sourire à la personne, si tu donnes de l'argent parce que tu te dis, ben, j'ai de l'argent et je peux donner, ben, je donne, et ben voilà, tu n'attends pas que la personne te rembourse, tu n'attends pas qu'elle te fasse un cadeau en échange, tu lui donnes parce que tu as envie de donner. Voilà, on donne parce qu'on a envie de donner. Moi, je pense que c'est le plus important. Ne pas donner en attendant un retour, mais donner parce que ben on est dans l'énergie du don et que pour nous ça va, comment dire, ça va nous aider à nous sentir mieux, ça va nous aider à nous à... enfin c'est juste dans la c'est la justesse du moment et on écoute la justesse du moment et on se prend pas la tête avec les conséquences, avec le comment, le pourquoi, on fait juste ce qui nous paraît juste à Oui, on fait ce qui nous paraît juste à un instant T et on est en accord en fait, on est en harmonie avec soi-même, on est en harmonie avec, je sais pas, l'univers, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, on est dans une harmonie en fait. Voilà, bah écoutez, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous pour mon retour après, je sais plus, 4 ou 5 jours d'absence. Je vous invite à découvrir mon travail, puisque comme vous le savez, je suis écrivaine indépendante. Donc, tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Il suffit de suivre le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous si vous aimez l'énergie de cette chaîne. N'hésitez pas à commenter, à me laisser des petits messages. Si vous êtes dans un processus d'écriture, un processus créatif, que vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas à me contacter. On prendra un rendez-vous et puis on en parlera avec un grand plaisir, voilà, pour vous booster, pour vous encourager. Voilà, c'est vraiment l'objectif aussi de cette chaîne. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. Vous écoutez plutôt. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Au revoir.